Bonjour à tous, nouvelle vidéo concernant l'utilisation d'un module reprogrammateur d'EPROM CHA341A, je crois que c'est ça, je me trompe pas, CHA341A ou CH381A. J'ai la version Black Edition, donc ça voilà, c'est le kit complet avec le lecteur, le programmateur, les connecteurs, les adaptateurs et la pince si vous n'avez pas accès ou si la puce BIOS ne peut pas être tirée du boîtier ou du PC où, vous l'avez, où il est installé, sur la carte mère par exemple, que ce soit un ordinateur portable ou un PC de bureau ou même des tablettes. Du moment que le contrôleur, ce CH341A, il faut qu'il soit compatible avec les puces qui correspondent au BIOS de vos machines. Si ce n'est pas compatible, ça ne servira à rien. Donc, première chose à faire, c'est récupérer un lecteur comme ça. Ensuite, deuxième chose à faire, récupérer... Mais comme je peux, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Voilà. Récupérer les bons pilotes. Là, je pars sur une machine Windows 10 en 64 bits. Donc, je vais certainement avoir un problème de pilote, mais au moins... Je vais vous montrer comment il faut faire pour que ça fonctionne. Donc voilà, moi j'ai la version qui a été modifiée pour mon contrôleur, pour mon programmateur d'EPROM. C'est la version Black Edition. Et on tient compte de la couleur. Ce qui est marrant, c'est que vous devez tenir compte de l'esthétique de ce module pour trouver le bon pilote. Moi, celui qui était disponible ne fonctionnait pas. Celui qui me l'avait vendu avec cette clé n'en avait rien à faire. Et donc, j'ai dû chercher moi-même le bon pilote pour ce contrôleur. Je pense que maintenant, c'est un peu plus simple. Ils mettent les bons contrôleurs. Mais voilà, moi, dans mon cas, j'ai celui-ci. Il n'est pas installé sur cette machine. Je vais l'installer. Voilà. Première phase, c'est ça. Bien vérifier que vous avez tout le matériel pour pouvoir faire le travail. Surtout, comme je vous ai dit, la pince. Si votre puce BIOS est toute petite ou soudée sur la carte mère, ça vous évitera de la dessouder et de faire des dégâts. Maintenant, la suite. Deuxième partie, ce qu'il faut faire, c'est identifier votre carte mère. Donc, que ce soit un ordinateur portable ou un PC. Là, je vais partir sur le PC. Voilà, je prends une carte mère. Je cherche la référence sur la carte mère. Dans mon cas, c'est une ASRock, donc c'est la marque. À côté, vous avez le modèle N68C-SUCC. Il faut bien prendre toutes ces informations en considération. Ensuite, en dessous, on ne voit pas, j'ai pas de. J'ai une révision GA1.04. Donc, c'est la rêve du matériel. Je tiens compte de ça aussi quand je vais faire mes recherches sur le site du fabricant ASRock pour trouver le bon BIOS. Voilà, ça c'est la deuxième phase. Ensuite, troisième petite chose, et je préfère être clair avec vous, c'est très simple. Troisième chose où il faut y penser obligatoirement, quand vous allez faire le riflage de votre BIOS, même si votre carte mère est HS, je vous conseille de faire une copie de votre BIOS HS. Donc, je ne sais pas si vous avez reprogrammé le BIOS et que ça a planté, ou si la carte mère ne démarre plus, etc. Récupérez le BIOS actuel. Quand on fera le travail, je vous montrerai comment récupérer le BIOS avec le logiciel et vous le mettez de côté. Et on appellera ça Old BIOS, comme vous voulez, avec le numéro de version. Voilà. Et on le met de côté. Parce que si le nouveau BIOS ne fonctionne pas, on pourra toujours faire un riflash avec ce vieux BIOS, qui est l'original, et qui peut permettre le démarrage de la machine, juste en réinjectant ce BIOS dans la puce. Ça m'est arrivé et ça peut fonctionner. Voilà, toutes les options qu'il faut faire avant de commencer à faire le travail de reflasher un BIOS. Donc voilà, là je vais commencer par chercher mon BIOS sur le net et je vais vous montrer comment je fais. Donc voilà, j'ai juste tapé ASRock, BIOS ou Upgrade, ce que vous voulez. Et je tombe sur le site asrock.com et je vais chercher, je vais taper le modèle de ma carte mère et voir si je peux avancer. Donc voilà, dans le moteur de recherche sur le site ASRock, je tape N68C-SUCC. Pour l'instant, je ne parle pas de révision, ce n'est pas important.
et je vais voir ce qu'il me propose comme BIOS. Et voilà, donc j'ai sur le site ASRock support, il a bien trouvé une carte mère qui s'appelle N68C-SUCC. Il n'y a pas de version, donc c'est pas grave, je vais chercher download. Je vais dans download et là maintenant, qu'est-ce qu'il me trouve? J'ai plein de choses. Je vais pouvoir sélectionner sur quel système il fonctionne, mais là je pense que comme c'est une vieille carte mère, voilà, je suis en Windows 7 et j'aurai pas de Windows 10 ou 11, même si sur cette machine je peux installer une version Windows 11, mais c'est pas grave, je reste sur Windows 7. Avant, vous vérifiez, hop, en bas de votre machine, avec bouton droit, je le fais avec la souris, je fais système, hop, système, et je vérifie ma version de Windows. Donc je suis bien au système d'exploitation 64 bits Windows 10. Voilà, donc ça c'est bon. Et donc maintenant sur le site du fabricant, je cherche le pilote pour la mise à jour du BIOS. Donc dans la fenêtre, vous avez download, BIOS, manuel, fax, support list, etc. Donc moi, voilà. Vous voyez pas ici, je sélectionne toujours sur le même site le BIOS parce que là j'avais que les programmes et les mises à jour des programmes, et là maintenant j'ai bien les logiciels d'installation avec des procédures. Dans notre cas, nous on a juste besoin d'une mise à jour du BIOS, donc je vais essayer de trouver le fichier bin. Je crois que ce serait un fichier bin le plus récent. Donc vous voyez, j'en ai un qui date du récent, 2011. Donc j'ai pas plus récent. J'ai Instant Flash, c'est pas grave, et j'ai la version DOS. Donc je cherche l'info, hein, je suis pas devin, donc voilà, il va me dire à quoi ça correspond. Là, c'est une version qui nous permet, voilà, on extrait le zip, le BIOS ROM file, donc il est dedans. Donc je peux le récupérer soit avec celui-ci, soit avec le DOS, c'est exactement pareil. Sauf que la procédure n'est pas la même. Le DOS, il faut une disquette ou une clé USB bootable sur laquelle on va démarrer pour pouvoir faire l'upgrade. Donc, voilà, c'est un BIOS filename exe, flash, ok. Win sur format BIOS file, the WinZip format BIOS file. Donc, le BIOS est aussi intégré. Donc, c'est toute une procédure, mais nous, c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux, c'est récupérer le fichier du BIOS. Donc, ce que je vais faire, je télécharge en global la dernière version 1.6. Et je vais prendre la globale en version Instant Flash aussi. Voilà. Je récupère les deux et je vais voir comment je peux récupérer le fichier bin que j'ai besoin pour faire l'upgrade direct avec le CH341A. Alors, voilà. Maintenant que j'ai mes fichiers... Bon, c'est pas pratique de sélectionner avec un seul doigt. Hop, je vais décompresser tout ça. Je sais pas, non, il va pas les faire tous les deux. Ouais, c'est pas grave. Il va me faire le premier, bien sûr. Oui, il en a fait qu'un, ce qui est normal. Donc Windows n'est pas assez intelligent pour sélectionner. Hop, extraire tout. Je fais les deux. Voilà. Donc ici, donc la version DOS, vous voyez, j'ai pas forcément le fichier, mais j'ai ma version ROM ici, N68UCC, fichier bin. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est bien un fichier bin? Donc, il faut que j'aille dans les paramètres. Mince, c'est quoi déjà? C'est où? Option. Le dossier de recherche, il faut que je vérifie, que je remette les extensions, parce que franchement, je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais afficher les extensions, parce que là, il est où, afficher, masquer les extensions. Quoi, dont le type est connu? Non, il devrait s'afficher. Pourquoi il s'affiche pas? Alors c'est un point 60. Okay.
Donc là, je reviens sur le site ASRock. Voilà, j'ai bien le visuel de ma carte mère avec les mêmes informations. Hop, c'est bien la même esthétique et on recherche bien la même, le BIOS pour la même carte mère. Donc voilà. Donc là, j'ai un petit souci parce que c'est des outils automatiques. Donc, un petit problème pour extraire le fichier BIOS. D'habitude, on les a, on les extrait et on peut les avoir automatiquement. Là, je ne les ai pas. Donc, je vais chercher. Je vais chercher l'info pour avoir mon fichier BIOS. Bon, ici, je sais que c'est mon fichier ROM pour une raison. Voilà. Donc, c'est dans la version ROM. J'avais téléchargé dans les deux premières options. Il y en a une, c'est un fichier d'installation. Donc, on ne peut rien faire. Et là, j'ai un N68CSU 1.6, 1.60. Et il fait, quand je vérifie la taille, il fait 1024. 1024, ça correspond au BIOS d'il y a quelques années. Donc, par rapport à la puce, je sais que c'est celle-ci. C'est pas une puce 8 mégas, donc ça peut être que ça. Donc, j'ai ce fichier-là. Donc, je vais faire un test et on verra bien. De toute façon, je vais sauvegarder l'autre. Et vous verrez, quand je vais sauvegarder mon BIOS, il fera 1024K. Là, ce qui me pose problème, c'est qu'il a un point 60. C'est la version et j'ai pas l'extension. Donc, soit c'est, il sera pris tel quel et il sera lu par mon CH341A, soit il n'y arrivera pas. Et ça, on verra après. Je devrais normalement avoir un fichier BIN ou ROM. Mon lecteur CH, il est configuré de telle manière. Ici, le petit jumper est au bout. Me demandez pas pourquoi, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Donc, position ici. Ensuite, pour positionner la puce ou l'adaptateur dessus, on doit tenir compte du type de puce qu'on a. Là, je suis pour l'instant avec celle-ci en 25 et en 24. Donc, j'ai pas le choix. J'ai soit 25XX, soit 24XX. Même si d'autres puces sont compatibles, c'est un peu plus compliqué à gérer. Je ne rentrerai pas dans le détail dans ce tuto. Donc là, j'ai une 25XX. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais la positionner par rapport au petit demi-cercle qu'on voit là. Donc pour eux, c'est le bout de la puce où il y a une petite forme un petit peu ovale. Eh bien, on va faire pareil. C'est-à-dire, je vais retirer la puce BIOS de mon PC et je vais vous montrer comment je l'insère. Alors voilà, il y a autre chose maintenant à identifier, et j'allais l'oublier, c'est marrant, c'est le plus intéressant et c'est le plus important, le BIOS que vous avez. Donc ici, si je zoome, voilà, N68C-SUCC-P1.50-15B. C'est la version du BIOS que j'ai actuellement, mais pas forcément, puisque moi j'ai déjà effectué des mises à jour sur cette carte mère. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'étiquette qui est dessus, pour pouvoir vérifier quel type de BIOS j'ai, comme puce de BIOS que j'ai. Pas simple. Donc je vous reprends dès que j'ai enlevé l'étiquette. Voilà, j'ai enlevé l'étiquette, je l'ai collé à côté. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est pas pratique, j'ai les cartes vidéo qui me gênent. Hop, je nettoie un petit peu, il faut que je vérifie. Bon, ici, c'est une grosse puce BIOS. Hein. Sur certaines cartes mères, elle est toute petite. Voilà. Donc, j'ai une WeBond. Ça, on est d'accord. Je vais peut-être passer en macro parce que là, je n'arrive pas à trouver le BIOS. Très difficile à filmer. Bon, je vais passer en macro et je vais essayer de récupérer. J'ai vraiment du mal à lire le BIOS, mais ça, vous allez voir. Il vaut mieux le faire visuellement que de faire d'utiliser un téléphone pour pouvoir trouver la version du BIOS. J'ai une 25, donc je sais que c'est une puce 25. 25 quoi? Je vois 0,3, mais c'est pas logique. Alors c'est une 25Q. Ensuite, ça doit être B.
Bon, je n'arrive pas à voir avec mes yeux. Donc, Winbond 25Q 8 ou B0B, mais 80BVA, etc. AIC. Donc voilà, c'est le numéro de ma puce. Donc voilà, la puce, le bio, c'est la puce que j'ai sur la machine, c'est bien une Winbond 25Q80B VAIG. Parce que je vais tenir compte du 25Q80 s'il y a besoin, et B, mais bon, 25Q8 c'est le principal. Voilà, on retient cette information là pour la retrouver dans le logiciel de programmation. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, voilà, ma puce est faite ainsi, elle est installée sur la carte mère comme ça, et la patte de référence est ici. On voit le petit ergot, enfin la petite forme ovale ici, qui donne la position de la puce, et on a une petite flèche sur la carte mère qui indique la première patte de la puce. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Voilà, donc pour la programmation, il faut que notre programmateur trouve cette puce-là. Donc voilà, vous avez bien la Winbond W25Q80BV, etc. Donc je suis en train de vérifier la capacité de la puce. Ça peut être de 1 à 8 mégas. Même si on a un fichier 1 méga pour le BIOS, ça veut dire que la puce est vide sur une grosse partie de son espace. Donc ici, on a bien cette puce-là. Vous voyez, on a l'identification de la puce avec la pin 1. Comme je vous avais indiqué, avec le petit demi-cercle qui nous montre où est positionnée la puce et où commence le 1. Donc quand on met la pince, il faut toujours tenir compte de cette esthétique-là, et la puce rouge, le fil rouge doit arriver ici, quand on connecte les adaptateurs. Voilà, donc ça c'est par rapport à mon modèle, mais il existe des W25Q, 64, etc., qui sont des puces, pareil, 8 mégas, mais qui sont beaucoup plus petites. Donc on est obligé d'utiliser la pince, et souvent elles sont soudées sur les cartes mères, PC portable ou ordinateur de bureau. Il arrive même qu'il y ait deux puces sur les cartes mères avec les BIOS UEFI. Donc il ne faut pas effacer la puce qui correspond à une partie des données qui sont ce qui est essentiel à l'UEFI, à la reconnaissance de la version de Windows, etc. et la protection du système. Il faut bien reflasher que la puce qui correspond à la mise à jour du BIOS. Voilà. J'essaye de trouver des infos de la capacité mémoire et je reviens. Ici, vous avez plein d'infos sur la puce, mais bon, c'est pas essentiel pour vous. 8 mégabits, voilà, une W25Q pour Winbond 25Q80BV. Donc c'est une 8 mégabits comme je vous disais précédemment, et donc la puce n'est pas complètement écrite. Donc. Et surtout, avant de retirer votre puce, regardez bien où est la démarcation. La petite encoche, là, vous voyez ? La petite encoche est vers le bas. Je ne sais pas si vous voyez, elle est ici. Donc il faudra positionner cette puce de la même manière. Là, je vais la retirer, mais vous verrez qu'avec le petit adaptateur, attendez, là, je l'avais presque défait. On peut faire la même chose avec le connecteur. Donc celui-ci. Moi, j'ai fait une petite marque rouge pour montrer où était la base. Donc je sais que ça sera de ce côté. Vous voyez, on peut faire le connecter directement dessus. Hop. Après, il faut bien vérifier s'il est bien connecté dessus. Et dans le bon sens, c'est-à-dire le point d'origine. Vous voyez, là, je l'ai inversé. Parce que si je regarde sur la carte mère, voilà, j'ai une petite information sur le support qui me dit, hop, je zoome, voilà, j'ai un petit trait. Vous voyez la petite flèche là qui est sur le bas. Et ben pour moi, c'est mon point rouge. Mon point rouge, c'est le câble rouge que j'ai sur cette nappe là.
j'ai une nappe avec un point rouge. Quand je regarde où la nappe va, j'ai recherché au départ, et ma nappe rouge, c'est bien ce connecteur ici en haut à gauche. Le connecteur en haut à gauche. Il est un peu abîmé d'ailleurs. Il faut que je vérifie ça. Hop. Pourquoi il est un peu abîmé? Non, ça va. Ok. Donc ce petit connecteur, voilà, je ne dois pas le mettre comme je l'ai mis à l'instant. Mais je dois le mettre. Le côté rouge, là, cette marque du fil rouge. Ouais, c'est pas pratique. Voilà, cette petite marque rouge. Là, je l'ai noté moi aussi pour suivre. Donc, je dois le mettre du côté du petit trait qu'il y a en bas sur la carte mère. Je le fais et je vous le montre parce que là, c'est pas simple à faire en même temps qu'on filme. Je vois même pas ce que je fais. Hop, 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 hop. Ok. Ça fonctionnerait comme ça. Mais sur une puce BIOS plus petite que celle que j'ai présente sur cette carte mère. Cette carte mère date de 2011-2010, donc... Et même, oui, je crois que c'est ça. Donc, ce connecteur ne correspond pas. Voilà. Mais sur les nouvelles cartes mères qui ont 2-3 ans, ce connecteur fonctionne. Donc, voilà. Dans mon cas, à moi, j'en reviens à ma puce. Je vais la retirer. Donc, déchargez bien vos mains ou utilisez un bracelet antistatique. Avant de toucher à la puce BIOS, vous pourrez la cramer sinon. Donc là, je vais doucement, gauche-droite, gauche-droite. Voilà, j'ai peut-être un petit peu trop forcé. Voilà, j'ai la puce. Voilà ma puce. Donc moi, je ne peux pas utiliser cette pince parce qu'elle ne correspond pas. Les picots ne correspondent pas. Vous voyez, je vais vous montrer, ce n'est pas tout à fait le même espacement. Hop, hop. C'est pas tout à fait le même espacement, donc je vous montre. Voilà, vous voyez la différence. Si je vous fais ça, vous voyez, ça ne fonctionnera pas. C'est pas le bon élément. Il faut utiliser un adaptateur que j'ai dans mes sachets là pour le positionner dessus, mais il n'y a aucun intérêt puisque là, moi, ce que je veux, c'est pouvoir l'enlever. Donc, cette puce, comme elle est soudée, elle n'est pas soudée, elle est sur un support, elle est plus grosse. Mais les puces plus récentes sont beaucoup plus petites et on peut mettre cette pince directement dessus. Et comme je vous ai dit, il faut tenir compte du petit triangle qu'il y a sur la carte mère qui identifie la base de la puce avec ce rouge-là. Vous voyez le fil rouge qu'il y a ici. Mince, je ne vous le montre pas. Le fil rouge qu'il y a là et qui va sur cette première fixation de pince qui est en haut à gauche. Donc cette première fixation de pince, vous voyez, je l'ai mis avec un petit scotch rouge pour montrer, pour ne pas me tromper quand je l'adapte. Ça voudrait dire pour moi que si je tiens compte de celle-ci, le petit triangle était situé sur cette puce, sur cette patte ici, la première. Donc je devrais positionner mon adaptateur comme ça, puisque j'ai le côté rouge là, donc c'est la patte 1. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur ça plus avant. On va continuer sur mon CH380. 341A. Je positionne la puce de cette manière, puisque c'est indiqué comme ça sur la photo, 25XX. Je l'ai un peu tordu d'ailleurs, il y a une patte de tordu. Voilà, donc je peux la mettre ici directement dans le support, comme ça. Voilà, et là je pourrais commencer à faire le travail. Donc je pourrais reprogrammer mon BIOS. Donc vous, le but, c'est sur un site du fabricant, essayer de retrouver le BIOS de votre carte mère. Vous voyez, moi j'ai énormément de mal à le trouver, mais je sais que c'est celui-ci, mais l'extension sera peut-être pas la bonne. Donc on verra après. Je sais que comme elle a une bonne taille, je peux le renommer, mais je veux pas que vous fassiez ça. Moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est trouver le fichier BIOS correspondant à votre carte mère. Moi, je vais bidouiller, comme toujours. Donc voilà. Je vais connecter ma clé CH341A et je vais chercher les pilotes et installer les pilotes avant de reprogrammer ce BIOS et de faire avant tout une sauvegarde de celui-ci.
Donc c'est parti pour le démarrage de l'installation des pilotes et autres. Alors voilà, j'ai juste connecté ma clé USB sur un Windows 10 64 bits. Il est rouge, il est connecté, j'ai entendu un petit bruit au niveau des pilotes, donc je vais aller vérifier les pilotes. Est-ce qu'il a trouvé un pilote? Donc je vais dans gestion de périphérique. Voilà. Et là, il a autre périphérique. Donc je vais vérifier que c'est lui. Ça veut dire qu'il n'arrive pas forcément à trouver le pilote. On va voir. C'est bien ça. Donc il n'arrive pas à trouver le pilote. Donc moi, je vais dans mes programmes. J'en ai plusieurs. Je ne sais pas comment positionner la caméra pour que ce soit visuel ou un enregistrement d'écran, mais je vais voir si je peux faire un enregistrement d'écran. Ce serait peut-être plus simple. Alors voilà, j'essaye de vous mettre un écran, mais c'est pas facile. Je sais pas ce qu'il faut. Donc je branche ma clé, mon CH. Voilà, il me dit périphérique inconnu. Donc ce que je vais faire, c'est que je le déconnecte. Voilà, et je vais installer les pilotes. Donc je cherche les infos, lien. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ok, les vidéos. CH mini programmeur. Donc je vais là. Driver est ici. Driver setup 64. Donc, qu'est-ce que je dois lancer? Ça, c'est juste le logiciel, je crois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est juste le programme. Il n'y a même pas à installer. Donc, j'ai driver 24C, 24exe ou driver setup 64. Donc, je vais taper driver setup 64 bits. Je vais installer les pilotes. On va voir si ça marche. Voilà. Donc, là, je fais... Vous voyez, il va installer les pilotes de ce programmateur des proms. Voilà, je fais install. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je m'en souviens plus. Install failure. Ok, donc il veut en mode admin, certainement, tout endroit. Exécuter en tant qu'administrateur. Oui. Install. Ça ne fonctionne pas. Ok. Donc il ne veut pas installer ce pilote. Donc je vais faire driver 24C et 25. Vous avez dit que j'avais un problème avec l'installation des pilotes avec un Windows 64 bits. Donc j'ai peut-être le même problème. Voilà, il ne veut pas passer. Ok, ça ne fonctionne pas. Alors, l'autre, le dernier setup... Ok, donc il ne veut pas me l'installer. Il ne veut pas m'installer les pilotes CH341A. English. Alors, comment je vais faire? J'ai déjà oublié. CH, pourtant, je les ai là. Ils sont présents dans le répertoire. Si je vais faire un truc... Ok, il veut pas. Donc, ce que je vais faire, on va voir si ça fonctionne. Non, ça sert à rien. Alors, je vais installer ma clé. Voilà. J'installe ma clé. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me la détecte maintenant? Donc il a dû installer quelque chose.
fleuve là. Eh bien, il l'a trouvé. Il l'a trouvé. Non, ne me demandez pas comment. Est-ce que c'est Windows qui a fait une mise à jour ou il y a le Wi-Fi sur ma machine? Donc, il l'a peut-être trouvé. Ou alors le fait d'avoir tenté, même s'il dit que ça ne fonctionne pas, il les a installés. Donc, on va vérifier. Propriété. USB EPP12. 2009. C'est pas un pilote certifié, donc voilà, il a bien CH341 DLL et W64 celui-là et DLL. Donc il a bien installé les deux pilotes qui sont présents ici, 2008-2009. Je vous avais dit que j'avais des soucis avec ce programmateur des pros, mais vous voyez, hein, c'est pas simple. Donc Windows a dû trouver les pilotes ou ce que j'ai fait a fonctionné en disant, et pourtant il me disait que ça n'avait pas fait le travail, que ça n'avait rien installé. Donc c'est pas grave, j'ai bien les deux pilotes, ils sont là. Et ils datent de 2001-2008, 2009, donc c'est bien le même. C'est pas grave, donc du moment qu'il est installé et qu'il est valide, je peux vous le faire sur un Windows 64 bits, alors que d'habitude je n'y arrivais pas. Donc c'est très bien, hop. Donc j'ai bien mon contrôleur dans... j'ai déjà oublié. C'est quoi déjà? Lecteur USB interface. Voilà, dans interface. Donc mon pilote est reconnu et il fonctionne. La lumière rouge est présente dessus. Donc pour moi c'est parfait. Donc ce que je vais vous montrer maintenant, hop. Je vais le déconnecter bien sûr. Hein. On ne met pas une puce quand c'est connecté. D'ailleurs, non, regardez, on va faire quelque chose. Hop, je mets que ça. Hop. Voilà, et là je lance mon CH341A. Je crois que je vais le faire en mode admin. Voilà, mon logiciel est là. Je vais le mettre en plein écran. Alors je fais détect. Et là, regardez bien en bas, je vous montre en bas. Ici, c'est marqué, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué connected. Si je l'enlève, voilà, device state not connected, tout en bas ici. Ça veut dire qu'il n'est pas installé et que les pilotes qui ont été pris en compte, soit par Windows 10, soit avec mes bidouilles, sont pris en compte et fonctionnent. Donc le logiciel est viable, voyez. Donc j'espère que cette fois-ci, je vais pouvoir faire un truc plus propre que la dernière fois. Parce que l'image n'était pas terrible. Je m'en souviens encore. Est-ce que je peux mettre l'écran droit? Oui. On va essayer de vous faire quelque chose de plus propre que d'habitude. J'espère qu'on voit bien. Voilà, c'est un peu limite quand même. Alors, peut-être comme ça. Voilà, donc là j'ai pas de puce dedans. J'ai fait détect, mais il me dit n'importe quoi, parce que de toute façon, voilà, il n'y en a pas. Deep Search, vous pouvez chercher vous-même votre puce, mais bon, moi je vais pas le faire. Là pour l'instant, il dit size 1 mégabit, 8 mégabits, mais je n'ai rien. Il dit ok. Un peu bizarre. Allez, hop, je l'ouvre. Détect. Donc là, je vois que je suis déjà identifié en 25Q80, donc j'ai dû le faire sur d'autres machines. Mais là, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, ce que je voulais faire en premier, je vais mettre la puce sur le programmateur. Je déconnecte, bien sûr. Donc, je touche le métal parce que là, je vais faire des bêtises. Je vais griller ma puce CH.
je la mets dans le lecteur. Il faut la mettre comme il faut. Vous voyez, hop. Il faut bien la positionner. Et on bloque. Et vous voyez, je tiens bien compte du 25TXX qui est ici. Ma puce est connectée, elle est bien installée. Je la mets dans le lecteur. Hop. J'aurais même pu vous faire un test en vous montrant que je grille mon BIOS pendant le riflage, je l'arrête, je le stoppe, ou je fais une modif dans le BIOS, dans le fichier qui est BIN, qui est, je dirais, qui est certifié. Enfin, il a une écriture qu'il valide. Donc, si je fais une modif et qu'elle n'est pas bonne, le fichier est corrompu, donc votre BIOS ne démarrera pas. Donc, ici maintenant. J'essaie de vous trouver une image pas trop mauvaise. Je vais faire détect. Là, il vient de me trouver. Là, j'ai des nouvelles données. Il m'a dit, donc vous vous souvenez ce que j'avais noté sur un papier? J'avais noté ceci. Il vient de me dire que j'ai une 25Q80BV. Et je suis exactement dans le bon modèle. Facture WeBond, c'est la bonne puce, 1 mégabit, ID, il n'y a pas, memory, etc. Le tarif, etc. Qu'elle est bien positionnée, ok. Donc ça y était avant, je suis un petit peu surpris, mais au moins il l'a détecté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Je vais lire la puce. Donc je vais faire read. Là, il est en train de lire la puce. Il récupère les données de la puce. BIOS. Voilà, 100%. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien des données. Parce que là, j'ai rien du tout pour l'instant. Ce qui n'est pas normal. Enfin, peut-être au début, puisque la puce ne doit pas être pleine à 100%. Voilà, donc j'ai bien des données. Je vais essayer de trouver la version de ma puce et de mon BIOS. Normalement, c'est quasiment tout à la fin ou presque tout à la fin. BCY. La date du BIOS, je l'ai en bas. 03-11-11. Donc, j'ai peut-être même carrément le dernier BIOS. Et après, je remonte un petit peu. Je devrais avoir du charabia comme le type de BIOS, etc. Mais il faut tomber dessus. On peut faire des recherches. Mais bon, le but, il n'est pas là. Le but, c'est... J'ai bien ma puce BIOS qui est là. Elle n'est pas complètement pleine. Et ce que je vais faire, je vais la sauver. Save. Hop. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Et je vais l'appeler. Vous voyez, il me fait un bin ou un ex. Donc je vais l'appeler old BIOS. Old BIOS, c'est fait enregistrer sur mon bureau. Le format, je vais vérifier si je peux avoir un autre format, bin, exe ou étoile, point, étoile. Je le laisse en bin. Donc, je vais l'appeler bin ou exe. Il va le faire. Hop. J'enregistre. Je vérifie sur mon bureau. Hop. Alors, sur mon bureau, est-ce qu'il me l'a fait? Il est là. Donc, j'ai bien mon BIOS ici que je viens de créer. Il est en point bin. Je vérifie sa taille. Donc, si je fais propriété, hop, 1 méga. 1 méga, ça veut dire 1024. Voilà. Mon fichier, c'est bien un fichier bin et il est en 1024. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire. Voilà, j'ai sauvegardé mon fichier BIOS de ma puce et je le garde de côté au cas où je fasse une bêtise. Vous pouvez même faire deux sauvegardes au cas où et dans deux formats différents si vous voulez. Tout est possible. Maintenant, je vais faire Open. Je vais prendre... Le fichier bin que j'ai récupéré,
Oui, dans le téléchargement. Donc je vais dans le téléchargement. Hop. Voilà, je vais dans mon ROM. Quand tu veux. Là, bien sûr, il me le lit pas. Donc, je vais faire étoile point étoile. Je vais prendre ce fichier là. Hop, je vais faire valider. Alors ici, pour pas faire de bêtises, je viens de redémarrer mon CH341A. Vous voyez, il n'y a même pas marqué le nom de la puce, il y a juste des infos parce que je ne l'ai pas revalidé. Là, ce que je vais faire, je vérifie que je n'ai rien jusqu'à la fin de mon fichier, donc il est vide. Donc c'est bien la version vide. Je fais un open, je vais chercher mon fichier UCC, le fichier bin, je mets étoile point étoile parce que c'est un fichier bin BIOS. Donc vous, il faudra que ça soit marqué soit fichier bin, soit exe. Je valide. Voilà. Et maintenant, je vais vérifier si j'ai bien mon fichier bin. Il a été chargé. Je descends. Voilà, il y a des données. Bon, il faudrait du temps pour trouver l'endroit exact. Mais moi, ce que je vais aller voir, c'est directement à la fin pour voir la date du BIOS. Et vous voyez, j'ai une date de BIOS du 9-20-11. Donc, un peu plus récent. Et c'est 1.60. Donc j'ai bien le bon fichier qui est chargé. Là, mon fichier est chargé. Maintenant, ce que je fais détecter la puce. Il me la détecte bien. Je vais faire le read, je ne le fais pas. Je vais faire programme. Erase, je crois que je n'ai pas besoin de le faire. Donc je vais faire un programme. Il est connecté. Je lance le programme et voilà. Donc voilà, le travail a été terminé, il a été réécrite, la puce BIOS a été réécrite. Ce que je vais faire maintenant pour savoir si c'est réel, puisque là, vous voyez, je suis sur l'image qui a été chargée. C'est marqué 9-20-11, ça veut dire 2011, le 20-09. Ce que je vais faire, c'est, je vais lire la puce. Là, j'ai pas lu la puce, là, j'ai écrit la puce. Donc là, je fais « read ». Ne vous trompez pas, read, il est en train de me lire la puce, il faut que je retrouve ça. Si je ne retrouve pas cette date à la fin de la puce, c'est qu'elle n'a pas été réécrite. Voilà, donc là j'y suis, read, donc je reviens au début. Et je vais jusqu'à la fin. 1-1-0. Donc elle n'a pas été réécrite. Donc vous voyez là, ma puce n'a pas été réécrite. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Alors peut-être qu'il faut faire un erase. Donc je vais faire un erase de ma puce. Hop. Voilà, maintenant je vérifie, j'ai peut-être oublié, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas. Ah bah tiens, donc là ma puce est vide. Ok, toute la puce est vide, donc elle a été érasée. Donc ça veut dire qu'il a fallu que je fasse erase en premier. Voilà, maintenant si je fais, donc j'ai bien fait un read, je refais un read de ma puce. Ok, il me dit que c'est bon.
Et maintenant, si je vérifie jusqu'au bout, est-ce que ma puce est vide? Ok, donc là, ma puce est bien vide. Elle a été vidée. Il n'y a plus rien dessus. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un programme chip. Si je clique sur programme chip, il n'y a rien en mémoire. Donc, normalement, il ne peut pas le faire. Donc, si j'ai rien en mémoire, il ne peut rien écrire. Vous voyez, je fais des tests avec vous. Ok. Alors, read, rien du tout. Donc, normalement, je dois avoir 0. 0 aussi. Voilà, je n'ai rien sur cette puce. Je refais détection. Hop. Je suis bien en SP Widband. Je suis bien en SP Flash. Oui, Widband. WQ. 08 BV, est-ce que je dois en mettre un autre? Je vais vérifier quand même, mais je suis bien en 25 Q. De toute façon, je suis d'accord, je suis bon dessus. Ce que je fais, c'est que je vais éraser encore ce que j'ai fait. Hop, j'érase ma puce. Ok, je sais qu'elle est vide maintenant. Maintenant, je vais faire Open. Je vais aller chercher mon N68. Ah oui, c'est peut-être pour ça, c'est qu'elle n'est pas bonne. C'est pas grave, je réessaye avec celle-ci. Voilà, elle est chargée. Donc si je vérifie, je dois avoir la puce chargée. Hop. Et j'ai bien la 920-2011. Et je vais faire programme pour lancer l'écriture sur le BIOS, sur la puce BIOS. Voilà, lui il me dit qu'il a réussi. Je vais vérifier. Donc je fais lecture, puisque je dois effacer ce que moi j'ai mis en mémoire. Là je fais lecture pour récupérer les données de la puce et voir si elle a bien été écrite. Ok. Maintenant je modifie un peu le fichier pour voir. Hop hop hop, voilà, je suis en haut. Je descends jusqu'en bas et j'ai bien la bonne date. Donc, ce qu'il fallait que je fasse avant, en premier, on sauvegarde les données de sa puce. En sélectionnant la puce, et on détecte, ensuite vérifiant les données que ça corresponde bien. Et ensuite, on fait save les données dans un fichier que vous gardez sur votre PC. Quand vous avez fait ça, vous rechargez, vous érasez la puce, donc erase. La puce, on efface la puce, il faut qu'elle soit à zéro. Quand la puce est érasée, vous allez chercher votre fichier, donc fill open, et vous cherchez votre fichier de programme BIOS, un bin ou un exe, pas comme moi avec une extension bizarroïde, mais je sais que c'était le bon fichier, donc on va tester, hein. Je vais tester avec vous de démarrer ma machine et voir si elle démarre, et si le numéro de la version correspond bien à ce que j'ai vu, 1.60, et la date. Et là, ensuite, ce qu'on fait, quand on a vidé la puce, donc erase, on fait un on charge la puce en fill open et on charge son fichier. Et ensuite, on fait un programme qui lance l'écriture de la puce avec les nouvelles données. Voilà, on a fait cette partie. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au PC, réinstaller la puce dedans et voir ce que ça donne. Voilà, maintenant que j'ai récupéré ma puce, je la remets avec la petite forme là qui est devant le demi-cercle, la petite marque, bien comme il faut, dans son support. Ne forcez pas, ne pliez pas les pattes. Avant d'enfoncer complètement, vérifiez que toutes les pattes sont bien insérées, hein, parce que c'est vite fait de casser une patte et après c'est galère. Voilà. Donc ça c'est fait. Le problème c'est que j'avais laissé brancher, j'espère que là. Mais faut faire attention. Alors avant de faire ça, bien sûr, votre PC doit être déconnecté du secteur. Vous prenez bien
Appuyez sur vos mains un peu partout sur le métal pour décharger le pressé statique ou alors un bracelet antistatique parce qu'on fait des dégâts. Donc maintenant, je reconnecte mes câbles parce qu'ils tiennent mal. Voilà, c'est fait. J'ai remis ma puce, elle est bien installée, il n'y a rien qui est décalé, elle est bien dedans. On va voir maintenant si je suis passé à une autre version du BIOS. Donc je vais la démarrer et on va voir ce qui se passe. Il faudra que j'aille dans le BIOS pour voir ce qui se passe aussi. Alors, est-ce que vous allez voir? Oui. En HDMI, oui, ok. Voilà, je suis en HDMI. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vais faire. Je vais mettre là. Hop. Et je vais vérifier tout ça. Donc je démarre mon PC. Et vous voyez, j'avais oublié de déconnecter la prise d'Ali, mais elle était branchée sur secteur mais éteinte. Mais il ne faut jamais faire ça parce qu'il y a toujours des éléments comme le RJ45 et autres qui sont alimentés. Et la preuve, c'est que mon PC démarre. Donc, on va voir ça tout de suite. Si mon BIOS est corrompu, ça ne démarrera pas. Ah, au moins j'ai déjà l'image et ça démarre donc F2. Faut que je rentre dans le setup. Mince, le BIOS. J'y suis pas rentré, mon clavier n'est pas détecté. Oui, il est en USB, donc ça pose problème aussi quelquefois avec le démarrage. Donc je vais réessayer après. Parce que des cartes mères plus anciennes, souvent il veut un clavier avec une prise ancienne, les prises rondes. Et là, j'ai pas pu aller dans le BIOS. Donc, on va refaire la procédure, mais voilà. Mon PC démarre avec le nouveau BIOS que je viens de réinjecter. Donc, vous voyez, c'est fonctionnel, hein, il n'y a pas de problème. Je pourrais bien trouver sous Windows la version du BIOS aussi, il me semble. Mais je crois que j'ai pas tous les outils. Ouais, donc mon PC démarre. Il n'y a pas de souci, il fonctionne avec le nouveau BIOS. Hop. Alors, je vais essayer de rentrer dans le BIOS, soit je prends un autre clavier, soit j'essaye une nouvelle fois. Oh, les souris optiques, hein. Quand on ne les met pas où il faut. Je vais dans le BIOS et je reviens vers vous pour vous montrer la nouvelle version. Alors, pour trouver la version du BIOS, ouais, je vais aller dans le BIOS après, mais pour l'instant, je vais le vérifier sous Windows. Donc, je tape juste sur la barre de recherche, information, et il m'affiche, information système. Donc, normalement, je vais pouvoir le retrouver dedans. Et si je cherche bien, voilà, et bien, regardez, version du BIOS date, j'ai le 19/09/2011. Donc, c'est déjà pas le premier qui était au 10. Et c'est pas le numéro de BIOS que j'ai à la fin du fichier BIOS. Mais je suis bien en version BIOS date MEGA30P1.60. Donc la date exacte n'est pas celle que j'ai trouvée à la fin du fichier du BIOS. C'est bizarre, mais bon, c'est pas grave, ça correspond bien au BIOS que je viens de récupérer. Donc le fichier que j'ai récupéré fonctionne, il n'y a pas de problème, sinon mon PC ne fonctionnerait pas. Si c'était l'ancien BIOS, je ne serais pas en 1.6, je serais en 1.5, parce que la date datait du 1, je ne me souviens plus d'ailleurs. Je vais vous dire ça, je ne m'en souviens plus, mais je vais... Oui, mon fichier original marque, il est noté 03/11/11. Donc c'est bien celui que j'ai. Mais je dois avoir une autre date ailleurs. Mais moi, je tiens compte de la date qui est à la fin. Mais bon, c'est pas forcément réellement la bonne un jour près. Ouais, bon.
c'est celle-ci. Donc mon BIOS est bien à jour et j'aimerais bien aller dans le BIOS pour vous montrer la version du BIOS telle qu'elle est indiquée, mais voyez là on a bien référence P1 60, c'est celle que j'ai téléchargée. Je reviens dès que je suis dans le BIOS. Alors voilà, je suis rentré dans le BIOS. Oui, ça enregistre. Donc je suis bien dans le BIOS. J'ai eu du mal, hein. J'ai dû mettre un autre clavier. Donc je vérifie BIOS version N68CSUCCP160. Donc il a bien reconnu mon nouveau BIOS. J'ai juste que la version, j'ai pas la date. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, ils nous mettent la date aussi du BIOS. Mais j'ai que la version. Donc je vais vérifier après sur le site. Mais voilà, c'est ça. J'ai rien d'autre. Donc vous voyez, cette machine, je ne l'avais pas mis à jour. Mon BIOS aurait pu être corrompu, abîmé, ou HS, ou n'importe. Donc une BIOS grillée ou une mise à jour du BIOS qui a mal fonctionné. Donc on suit cette procédure de réinscription du BIOS. Et ça vous permet de repartir à zéro. Et que ça fonctionne parfaitement, la preuve. J'ai mon nouveau BIOS dessus. Et ça fonctionne. Je vais revérifier sur le site, mais si je suis en 1.50, je dois être avec une autre date. Bon, c'est parfait. Ça fonctionne, je redémarre le Windows, il a mon nouveau BIOS. Ici, quand je retourne sur le site, c'est ce que je voulais revérifier. Donc mon ancien BIOS, voyez, le nouveau, il a une date ici 09-22-2011, alors que vous voyez que sur le BIOS, quand il est installé, il n'a pas tout à fait cette date, mais on est en version 1.60. Et moi, mon BIOS que j'avais la version 3. Donc 2011-03 au départ. Et vous voyez, c'est marqué 15, mais ça ne correspond pas au BIOS dans la machine, puisque vous avez 1.5 et l'autre, on passe en 2010. Donc j'étais en 1.5 avec une date qui est légèrement différente, mais ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas forcément la version qui est inscrite dans le BIOS quand on l'utilise. Voilà, donc c'est parfait, ça fonctionne, mon Windows fonctionne, ma machine fonctionne parfaitement. Donc voilà, je vous ai donné la procédure à suivre pour utiliser un lecteur programmateur des PROM CH341A. Et vous voyez, avec toutes sortes de bidouilles pour arriver au but, hein, pour arriver à écrire son BIOS. Alors le plus important, et je ne vous le répéterai jamais assez, toujours faire attention au fichier BIOS que vous installez sur votre machine. Donc toujours vérifier auprès du fabricant que vous avez le bon BIOS. Si vous n'avez pas le fichier BIN comme je l'ai trouvé, vous voyez, j'ai réussi à installer un autre type de fichier, mais il était dans leur base de données. Mais si vous ne savez pas quoi choisir, demandez directement sur le site du fabricant ce que vous pouvez faire et si ça peut fonctionner. Voilà, à suivre pour une nouvelle vidéo et de nouvelles bidouilles de Casman.